Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star, comme l'émission qui vous permet d'analyser et de décrypter l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse à la sécurité alimentaire en cette période du mois saint de Ramadan où la plupart de nos marchés sont envahis des produits impropres à la consommation. Pour ce numéro spécial, on s'intéresse à l'entrepôt de poulet pourri découvert au marché d'Anta dans la commune de Matoto. Pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Ibrahima Sori Bari. Il est journaliste à Star 21 TV, également reporter. Monsieur Bari, bonjour. Bonjour, Saïd. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, merci à tous les spectateurs de Star 21 TV. On s'intéresse à cette situation, je le disais à l'entame de cette émission, à l'entrepôt découvert du côté du marché d'Anta. Vous avez été sur le terrain, quel constat avez-vous fait? Il faut le dire que le constat il est alarmant, et parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir compte. Et voir des conteneurs, une vingtaine de conteneurs stockés là-bas, et dans un entrepôt, et qui ne permet pas à la population de consommer, de mieux vivre. Et puis encore, il y a des odeurs nauséabondes donc qui dégagent là-bas. Les populations qui sont à côté ont du mal même à respirer, et ils ont fait leur cri de cœur à maintes reprises. Ils ont essayé à maintes fois d'essayer de rentrer en contact avec les autorités compétentes pour essayer de se plaindre, mais ça n'a pas été le cas. Mais finalement, ils étaient obligés eux-mêmes de se lever pour aller voir le chef de quartier pour vraiment dénoncer cette situation qui les gens empêche de respirer dans leur propre concession, dans leur propre quartier, et qui se trouve du côté de Serounaya. C'est un secteur qui se trouve Pour une précision, c'est pas au marché d'Anta, c'est dans le quartier, notamment au secteur Serounaya. Effectivement, oui. Okay. Effectivement, et c'est là-bas où cet entrepôt se trouve. C'est une situation vraiment déplorable, qui n'est pas... Alors, quelle a été justement, quand les autorités locales ont été alertées, quelles ont été les réactions sur le terrain? Oui, mais laissez-moi vous dire d'abord que c'est une situation vraiment déplorable. Est-ce que vous voyez? Parce que ça fait plus de 5 ans là-bas, d'après les citoyens qu'on a pu rencontrer. L'entrepôt est dans ce secteur Serounaya. Ça fait 5 ans, l'entrepôt là se trouve là-bas. C'est-à-dire c'est quelqu'un, un individu qui est venu comme ça déposer ça là-bas. Oui. Est-ce que vous comprenez? Et le plus marrant dans tout ça, c'est quoi? Ils ne connaissent pas le propriétaire de cet entrepôt. Et ça fait 5 ans ça est là-bas, et ça dégage des odeurs nauséabondes qui les empêchent de respirer. Ils ont même du mal à s'asseoir dehors pour pouvoir manger. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et des fois, quand il y a le courant, quand ils arrivent à allumer, ils ont du mal même à s'entendre entre eux. Ils n'arrivent même pas à bien communiquer entre eux là-bas. Tellement que le bruit est là. Au-delà de ça, il y a des mouches, je vous dis des mouches noires. Qui ont envahi le secteur. Qui ont complètement envahi le secteur, oui. Qui les empêchent complètement de rester sur place, il faut le dire ainsi. Oui. Et parce que si tu entends que tu peux vivre dans un lieu, c'est parce que tu respires bien. Alors, Ibrahima Sori, c'est vrai que vous faites déjà un constat vraiment alarmant. Un entrepôt de ce genre dans un secteur, je ne sais pas concrètement qui la responsabilité, est-ce que les autorités locales ou c'est au ministère du commerce qui gère justement ce domaine, puisque quand on parle de l'entrepôt, ça relève quand même du commerce. Bien sûr, c'est le ministère du commerce. Au-delà de ça, il y a aussi un service qui est en place. Le service contrôle de qualité basé du côté de Matoto, justement. Basé du côté de Matoto, que moi je peux dire qu'il n'arrive pas à bien faire son travail. Oui. Parce que comment est-ce qu'on peut comprendre un entrepôt peut-être là-bas plus de 5 ans sans qu'on être le propriétaire à qui il appartient? Le détenteur, oui. Au détenteur, est-ce que vous comprenez? Et puis au-delà de ça, les citoyens qui sont à côté, ils ont tout fait, ils sont battus par tous les moyens, d'après ce que j'ai expliqué, pour rentrer en contact vraiment aux autorités compétentes pour pouvoir les aider à enlever ça là-bas. Mais ce n'a pas été le cas. Récemment, ils ont failli manifester là-bas. Mais après, ils ont été calmés par certaines personnes. Ils ont décidé d'aller voir le chef de quartier. Oui. Et c'est dans ça qu'il y a eu cette suite. Et directement, il y a le service du Conotobo. Le service antidrogue, justement. On a suivi tout à l'heure la réaction, justement, du commissaire Traoré, qui relève, justement, du service antidrogue dirigé par le colonel Moussa Tchiboro Kamara, qui se sont rendus sur les lieux pour, justement, démanteler ou arrêter les auteurs. Mais malheureusement, jusqu'ici, ils n'ont pas parvenu à mettre main sur les auteurs. Je ne pense pas que ça soit vraiment qu'il y ait une complicité à l'interne de certains citoyens de ce secteur, Serounaya. Monsieur Saïd, moi je dirais que dire qu'ils ne connaissent pas vraiment, je peux comprendre que les citoyens disent qu'ils ne connaissent pas le propriétaire, oui. Mais dire que les autorités ne connaissent pas le propriétaire, là je ne suis pas pour. Oui. Parce que vous comprenez, ça relève, vous me venez de dire que ça relève du ministère du commerce. Oui. En plus, il y a un service qui est là, du contrôle quand même, qualité, la moindre, de qualité. Oui. La moindre des choses, c'est ça, ils connaissent, moi je dirais que les autorités.
connaissent très bien le propriétaire, à qui appartient cet entrepôt, oui. Mais peut-être qu'ils ne veulent pas pour le moment d'abord dévoiler son nom. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment le faire, il faut aller jusqu'au bout, il faut faire des enquêtes parce que c'est quelque chose qui n'y va pas, comment on appelle, qui va à l'encontre de la santé des citoyens, oui. Des pauvres. Alors, citoyens. Vous l'avez mentionné à l'entente de vos propos, ça fait 5 ans que l'entrepôt existe dans ce quartier du côté d'Anta, notamment dans le secteur Serounaya, mais c'est le premier quand même, qu'on se rende compte qu'il y a un entrepôt où il y a des poulets pourris. Est-ce que c'est la première quantité de poulets pourris enregistrée dans cet entrepôt? Dans cet entrepôt, moi je dirais que c'est la première fois. Oui. Ce n'est pas seulement des poulets, il parle même de viande pourrie là-bas. Oui, justement. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, moi je dirais que ce n'est pas la première fois. Et c'est la première fois du moins, autant pour moi. Mais c'est quelque chose qu'il faut essayer d'essayer de voir comment est-ce qu'il faut vraiment aider cette pauvre population qui est en train de se plaindre aujourd'hui, qui a du mal à manger, qui a même du mal à respirer. À respirer, aussi, oui, dans ce secteur. Dans ce secteur. Oui. C'est quelque chose que vraiment, et les autorités doivent vraiment se lever. C'est maintenant qu'il faut essayer de montrer ses compétences, ses qualités, de son importance et face à cette population. Oui. Mais ce qui est alarmant dans tout ça, le constat en Guinée, c'est pendant le mois saint de Ramadan qu'on remarque la floraison des produits impropres à la consommation dans nos différents marchés. Je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui le service contrôle de qualité joue son rôle? Et puis, il y a les différentes associations de défense des droits des consommateurs. Je ne sais pas si ces associations ont les moyens de leur politique ou bien si elles sont vraiment actives sur le terrain. Vous ne pensez pas qu'il y ait vraiment un paradoxe entre ces structures qui veillent sur les droits des consommateurs et le service de contrôle de qualité qui a vraiment droit de veiller sur les différents éléments que consomme la population ou les citoyens? Je vais commencer d'abord par le service de contrôle de qualité. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à voir des choses qui sont pourries, même dans les marchés. Ils sont en train de notamment de la capitale. De la capitale, effectivement. Qu'on a pris, oui. On a l'impression que c'est un service qui ne joue pas bien son rôle. Il y a un laisser-aller total. Il y a un laisser-aller total à ce niveau, oui. Il faut le dire. Et en plus de ça, les ONG qui sont chargés pour les trucs de consommation, et c'est quelque chose. Moi, je dirais que la plupart de ces structures n'ont pas d'appui, elles ne sont pas accompagnées. Elles ne sont pas accompagnées. Vous avez vu, c'est des structures qui sont là, qui se débrouillent, comment est-ce qu'ils vont se sauver. Et donc, des fois, moi, je me dis qu'ils ont même du mal à faire certaines enquêtes pour pouvoir mettre ça à la place publique. Il y a tous ces facteurs-là. Oui. Donc, c'est quelque chose que vraiment le service contrôle de qualité, c'est lui qui doit vraiment se lever. Veiller sur la qualité des aliments dans les marchés, oui. Et voir ce que les populations consomment. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment bon pour la santé? Oui. Mais nous sommes exposés. Ce n'est pas la première fois. Et on assiste à des genres de trucs à maintes reprises, oui. de découvrir des trucs de non consommables qui est impropre à la consommation. Oui. Voilà, donc c'est oui. Mais ce qui m'étonne dans tout cela, on a suivi tout à l'heure, comme il s'est d'abord Traoré, par rapport justement à la saisie de ces conteneurs du côté du quartier Anta, notamment dans le secteur Serounaya. Ce qui m'impressionne dans tout cela, jusqu'ici, ils ne sont pas parvenus à mettre main sur les auteurs. Autrement dit, ceux à qui appartient le conteneur ou ces conteneurs, puisque je crois que c'est au nombre de 5. Ces conteneurs sont au nombre de 5. Non, 25 conteneurs. 25 conteneurs, merci pour la précision. Voilà les inquiétudes. Voilà, c'est vraiment une inquiétude, il faut le dire. Oui. Et si vous avez très bien suivi le reportage, oui. Il y a même une femme qui a témoigné pour dire que... Oui, on aura un reportage à la fin de ce monsieur, débat. Le monsieur est venu ici, il nous a imposé sa loi. On ne connaît même pas ce qu'est le monsieur. Vous avez vu, c'est-à-dire ils ont envoyé ces gens. Mais on a l'impression qu'il y a la complicité des responsables locaux. Puisqu'un citoyen ne peut pas venir s'installer comme ça dans un quartier avec une marchandise de ce genre sans que les autorités locales ne soient informées quand même. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si ces autorités locales ne veulent pas dénoncer la personne, c'est là-bas l'inquiétude. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de voir. Oui. C'est là-bas l'inquiétude, c'est-à-dire principale qu'en fait. Oui. Ils doivent essayer de cibler la personne, de montrer qui a fait ça. Oui. Et aussi d'essayer de le traduire devant la justice parce qu'il faudrait qu'il réponde. Parce qu'il est en train d'empêcher les gens de vivre quand même. Parce que vous voyez, et puis encore, c'est qu'il est en train de qui sait. Est-ce que quand est-ce qu'il a fait sortir ça pour vendre ça dans les marchés? Mais c'est possible. On a vu tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu d'achat de conscience? Vous le savez pertinemment, quand même, un citoyen qui a un entrepôt de ce genre, vous l'avez mentionné, avec 25 conteneurs, je crois, il n'est pas n'importe qui quand même. Oui. C'est quelqu'un qui a les moyens. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'achat de conscience de la part des autorités locales pour justement permettre, disons, aux commerçants de s'installer afin de procéder à la vente de sa marchandise? Puisqu'on ne peut
pas nous dire quand même que le monsieur est venu s'installer comme ça de façon clandestine dans le quartier sans que les autorités locales ne soient saisies du dossier? Oui. Effectivement, et si ces autorités locales ne veulent pas dénoncer, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Mais là où moi je me pose beaucoup de questions, oui, il est venu, il a installé ça, mais à chaque fois quand il y a le courant, les groupes, ça s'allume automatiquement, et ça peut congeler. Quand le courant s'en va, les groupes, vous voulez dire que quand le courant s'en va, et la guinée d'électricité s'en va, immédiatement les groupes déclenchent? Non, en fait, c'est quand il y a le courant, ça s'allume. Ça s'allume directement, et le bruit là empêche les populations de dormir. Est-ce que vous comprenez ce bruit? Donc, si vous voyez qu'il est en train de faire ça, c'est pour pouvoir vraiment peut-être garder en bon état son produit. Le stock, oui. Le stock en question. Oui. Mais vu que ça a pris une certaine envergure, récemment, il y avait de l'estage, il y a eu beaucoup de temps, il y avait de l'estage récemment là. C'est ce qui a beaucoup joué sur sa marchandise. Oui. Et finalement, ça pousse. Est-ce qu'on a l'impression que le manque criard d'électricité, c'est aussi à l'origine de la pourriture de ces poulets, oui, aujourd'hui impropres à la consommation, puisque s'il n'y a pas de courant de façon régulière, les produits seront obligés de céder. Oui, effectivement. Suite à un manque de courant, oui. Il y a ça, il y a eu 2 à 3 jours, il n'y avait pas de courant en temps. Vers là-bas, ils sont beaucoup manifestés pour ça. Mais peut-être que c'est ce qui a joué sur le stock, marchandise, oui. Finalement, et pourri dedans, et finalement, ça empêchait les gens de dormir. Est-ce que vous comprenez? Mais au-delà de ça, de cette pourriture, il parle du bruit. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Moi, je me dis, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, les autorités en question, les autorités locales... Locales du côté d'Anta. Du côté d'Anta, doit se lever pour vraiment faire sortir le propriétaire à qui appartient ces conteneurs. Oui, puisque c'est un entrepôt. C'est un entrepôt, quoi, en fait, c'est ce que je vais dire. Ils doivent vraiment se lever pour ça. Ils ne devraient pas se taire là-dessus parce que c'est quelque chose qui ne va pas. Mais il faut aussi attirer l'attention quand même des responsables du ministère du Commerce, puisque c'est au ministère du Commerce qu'on doit recevoir des licences par rapport à l'importation de ces genres de marchandises quand on n'a pas l'autorisation de le faire. Je crois que tu n'as pas le pouvoir. Mais aujourd'hui, un entrepôt de 25 conteneurs, vous imaginez ce que ça fait? Et ce n'est pas un citoyen lambda qui va le faire, si c'est pas un magnan ou quelqu'un qui a les moyens. En fait, dans ce pays-là, moi, je me dis que les gens ne jouent pas bien leur rôle. Est-ce que vous comprenez? Parce que la plupart, ils attendent jusqu'à la fin, après la mort, si vous me le permettez, pour réagir. Est-ce que vous comprenez? Sinon, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, le ministère du Commerce, lui, là, c'est pour contrôler ces gens. Justement. Ça, c'est son rôle. Il y a le service contrôle de qualité sur le terrain également. Voilà. Et la question qu'on se pose, vous savez, ce qui fait un peu mal dans tout cela, on a l'impression que la nomination des cadres à certains postes fait beaucoup défaut, puisqu'on fait recours au militantisme et non aux critères de compétences. Sinon, aujourd'hui, un service de contrôle de qualité doit avoir les moyens de sa politique afin que le service soit actif sur le terrain pour démanteler ces gens de réseau, puisque ça peut quand même, disons, conduire la population dans certaines choses, notamment puisque quand on te dit que le produit est impropre à la consommation, vous imaginez le danger d'un produit de ce genre. Oui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, les gens, ils aiment trop jouer, comment on appelle ça, Au malin, quoi, en fait, à faire semblant de bien travailler. Pourtant, ils ne travaillent pas. C'est ce qui se passe dans ce pays. La plupart des secteurs, c'est comme ça se passe. Parce que comment est-ce qu'on peut comprendre un ministère qui est là pour ça? Est-ce que vous comprenez? Il est là, il regarde quelque chose est en train de se passer. C'est quand il y a effet maintenant, il commence maintenant à réagir. Dire qu'on a pris des dispositions, on est en train de faire des enquêtes. Jusqu'où? Et puis, c'est des enquêtes qui n'aboutissent jamais. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose que le ministère même en question doit beaucoup bouger. Et le service de contrôle de qualité, lui aussi, de son côté, il doit vraiment bouger par rapport à ça. À part ça même, à part de ce stockage, il y a d'autres choses dans ce pays qu'on n'arrive pas à en parler. C'est quand il y a mes faits maintenant, les gens commencent à réagir là-dessus. Est-ce que vous comprenez? C'est comme le service de Keboro. Pendant tout ce temps, n'a pas découvert. C'est quand les populations se sont levées pour dire que vraiment, nous souffrons ici. Mais vous parlez du service de Keboro, nous savons que... Tchèboro qu'on a connu au temps du CNDD, Tchèboro d'aujourd'hui, les moyens ne sont pas les mêmes quand même. Oui, je suis d'accord. Est-ce que Antidrogue aujourd'hui a tous les moyens nécessaires pour jouer pleinement son rôle là, qu'on a créé afin de démanteler ces genres de réseaux? Puisque au temps du CNDD, on a vu combien de fois les moyens ont été mis à la disposition de ce service afin vraiment qu'il soit vraiment actif sur le terrain. Mais malheureusement, avec l'avènement des autorités de la Troisième République, on a l'impression que ce service n'a plus les moyens de sa politique pour jouer pleinement son rôle sur le terrain. On ne peut rien faire sans les moyens. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il faut au moins jouer le maxi, au moins, c'est-à-dire montrer la volonté de bien travailler, de ne pas s'asseoir jusqu'à ce qu'on arrive à démanteler quelque chose, après rebondir dessus.
Est-ce que vous comprenez? La plupart, c'est comme ça que ça se passe. On a vu Sekeboro qui a découvert des choses ici par après, on regarde, on voit. Surtout que... au temps du Saint-Dédé. Voilà, nous avons vécu ça, on a vu tout ça ici. Mais des fois, on a l'impression que même le service de Kibor en question, il est là, il s'assoit, c'est quand il y a quelque chose, il apprend, il rebondit dessus. Il doit faire des enquêtes là-dessus lui-même pour découvrir. Est-ce que vous comprenez? Je suis d'accord qu'il a besoin de renseignements. Il faudrait qu'on le renseigne pour s'informer de certaines choses. Il faudrait qu'il soit en collaboration avec la population. Oui. Est-ce que vous comprenez? Pour avoir certains renseignements. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais des fois aussi, il faut aller sur le terrain. Il faut faire des enquêtes. De ne pas s'asseoir dans son petit bureau, attendre quand on t'appelle, bam, il y a tel. Quand ça commence à faire du bruit, tu Mais aujourd'hui, autre aspect concernant justement ces produits impropres à la consommation, je crois qu'il faut attirer l'attention des autorités afin de faire la sensibilisation. Puisque c'est vrai que la plupart des citoyens n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. On a suivi tout à l'heure le commissaire Traoré qui invite d'ailleurs l'ensemble des citoyens à prendre soin ou à prendre son temps à lire. L'étiquette se trouvant sur les aliments avant de les consommer. Voici la date de péremption n'est pas à terme. Mais aujourd'hui, la plupart des citoyens n'ont pas la chance quand même d'aller à l'école. Est-ce qu'ils auront ce temps pour faire la lecture? Je crois que c'est au service des contrôles de qualité et le ministère du Commerce de prendre toutes les dispositions afin d'éviter le pays de ces genres de produits, notamment des stocks impropres à la consommation. Ça, je suis tellement d'accord avec toi. Oui. Et je partage vraiment l'avis du commissaire qui a lancé l'appel à la population de lire. Mais il faut comprendre aussi, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Si vraiment le service de contrôle de qualité joue vraiment son rôle, sincèrement, ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de lire, de partir à l'école. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui sait lire. Donc c'est le service de contrôle de qualité qui doit veiller à ça. Okay. C'est-à-dire de se rassurer que oui, quelqu'un qui n'a jamais fait le banc, quoi que quel que soit de X, il pourra le vraiment... Le produit qui est sur le marché est un bon produit. C'est un bon produit. Mais la plupart des produits dans ce pays, si ce n'est pas des produits... périmé, oui. C'est des produits impropres à la consommation. C'est vraiment grave. C'est dommage. Donc, alors, nous allons, aimant téléspectateurs, nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV concernant la découverte justement de cet entrepôt du côté du... sur la situation justement des aliments, j'allais dire, impropres à la consommation réalisée par la rédaction politique de Star 21 TV. Abdoul Badé revient dans un instant ce reportage. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Nous venons justement de suivre ce reportage de Abdoul Badé, journaliste à Star 21 TV, concernant bien sûr les aliments impropres à la consommation. Je le disais, une période où justement on constate nos marchés qui sont envahis de produits impropres à la consommation. Sur ce plateau avec moi, M. Ibrahima Souri Barry, journaliste et reporter à Star 21 TV. Alors, M. Barry, nous entamons la dernière partie de ce numéro spécial concernant les produits impropres à la consommation. Vous avez suivi ce reportage d'Abdoul Badé. Votre réaction là-dessus? En fait, c'est un reportage qu'il faut vraiment dire déplorable parce qu'il est en train de dénoncer ici des produits inconsommables, oui. C'est-à-dire impropres à la consommation. À la consommation, qui sont vraiment on retrouve dans nos marchés. Et surtout, le constat, c'est pendant le mois saint de Ramadan qu'on retrouve ces produits. En cette période du mois saint de Ramadan, oui. Imaginez-vous que le propriétaire, si cela n'allait pas se découvrir comme ça, un jour, il va se décider d'envoyer cela les marchés. Oui. Et les populations vont s'en procurer. Et en cette période du mois saint, c'est quelque chose qui est vraiment grave pour la population. Et ce n'est pas bon pour la santé de la population. Il faut essayer de voir ça. Moi, je me dis ici que le service de contrôle de qualité doit jouer pleinement son rôle dans son sens. Doit essayer de jouer son rôle, doit essayer de montrer combien de fois qu'il est là, pourquoi il est là, doit montrer son importance. C'est ça aussi son rôle. C'est de protéger cette population. Ce n'est pas le laisser, de faire un laisser-aller. C'est-à-dire, tu envoies ce que tu veux, tu revends ce que tu veux, pas de contrôle. Oui, on parle du service de contrôle de qualité, mais aussi il faut lancer un appel pressant au ministère du Commerce qui coiffe justement l'ensemble de ces services, puisque le département tutelle c'est celui du ministère du Commerce. Oui. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les responsables de ce côté ne bougent pas du tout. Mm-hmm. On laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Mm-hmm. On donne les licences à qui de droit. Mais je ne sais pas. Aujourd'hui, je crois il faudra que les mesures soient prises par les responsables de ce côté, dirigé le ministère du Commerce de nos jours, qui est dirigé par M. Boubacar Barry, Bigop. Mm-hmm.
Je crois qu'il faut vraiment lancer un appel à ce département afin que les mesures soient prises pour mettre fin à l'importation de ces produits impropres à la consommation. Avant de lancer cette appel, laissez-moi juste revenir à ce geste. Placez un mot. Juste une petite partie sur l'intervention du commissaire. Oui. En fait, le fait qu'il a dit qu'il lance un appel à tous les citoyens guinéens d'essayer de lire. De prendre du temps, de lire les comme ça que je viens avant de vous de dire tout à l'heure. Oui. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. On n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire le service de contrôle, c'est ça, c'est son rôle. Il doit jouer son rôle. Il doit jouer son rôle. Oui. Après ça, le ministre du Commerce qui est là, lui aussi doit vraiment bouger. Il doit vraiment essayer de mettre, peut-être c'est lui qui sait, une commission en place qui va vraiment bouger pour essayer vraiment de sauver les vies humaines même, il faut le dire comme ça. Les vies humaines aujourd'hui. Pour essayer de bien contrôler les qualités qui vont dans les marchés. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Ça y va dans la santé quand même des populations. Non, mais heureusement, concernant ce cas spécifique de l'entrepôt découvert du côté du secteur Serounéa, au quartier Anta, je crois c'est vraiment un succès, puisque des trucs comme ça à l'intérieur du pays, vous imaginez le risque qu'on peut avoir une marchandise de ce genre, puisque les gens, s'ils ne sont pas du tout avertis, ils vont s'en procurer et puis consommer avec des conséquences. Oui, découvrir ça, c'est un succès, je suis d'accord, mais il a fallu que la population bouge. Oui. C'est elle-même qui s'est levée pour dire vraiment, nous n'arrivons pas à dormir, nous n'arrivons pas à manger, ça sent ici, aidez-nous, enlevez ça ici. Ok. Voilà, c'est ça. Merci, M. Ibrahima Soribari. Oui. Aimable téléspectateur, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, on avait comme invité M. Ibrahima Soribari, journaliste et reporter à Star 21 TV. Une fois encore, nous vous souhaitons une excellente suite de programme en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.